Au sein même de la cuisine, où tout le projet du foyer restaurant et d'animation ouvert aux personnes âgées du quartier a été élaboré suite au dramatique épisode de la canicule 2003 pour offrir aux personnes âgées du quartier, quartier où la densité de personnes âgées est la plus importante, d'ouvrir à ces personnes-là notre savoir-faire avec une équipe maison aux petits soins, avec des menus variés. Comme vous le voyez, avec du frais au maximum pour ravir les papilles. Je connais un peu le système des maisons en retraite. Et alors, celle-ci, elle n'est pas loin de chez moi. Je regarde les menus et puis, pour le 11 novembre, c'est comme un peu un jour de fête. On mange très bien. J'étais très fatiguée à cause de la maladie de mon mari. Et moi, j'aime pas faire la cuisine, mais ça me fatiguait. Alors, je mangeais pas beaucoup, j'étais fatiguée. La qualité, c'est assez exceptionnel. Ils font des efforts, la cuisine. Ah, service impeccable. Elles sont vraiment très, très aimables, très... Il n'y a rien à dire. Hein. J'habite dans le quartier. J'habite tout à côté. Et ça m'arrange de venir manger ici tous les jours à midi. Qu'est-ce qui vous plaît le plus ? Et ce qui me plaît aussi, c'est l'ambiance conviviale. Et puis, je participe à l'atelier chant. Je voulais voir ce que ça donnait par rapport à une autre chorale. C'était de la curiosité. Et j'ai été heureusement surprise. Ça me plaît beaucoup. Je ne suis pas tout à fait prête pour rentrer dans la maison de retraite. Venir au foyer restaurant et d'animation, c'est pour les personnes âgées du quartier un moyen de dédramatiser l'entrée en institution qui se fait malheureusement très souvent à partir d'hospitalisation. Et ce maillon permet, chose assez innovante pour une maison de retraite aujourd'hui, de préparer petit à petit une éventuelle entrée en institution, de bien connaître les personnels, les fonctionnements et également ce qui fait la richesse de rentrer en relation avec d'autres personnes. Tous les ans, il y avait une fête avec les grands chefs de cuisine qui faisaient son repas. Et je dis à ma compagne, bon, écoute, on va déjà manger là, notre grand chef, c'est pas mal, il y a une cuisse de grenouille, il y avait pas mal de choses. Et on est venu là. Et on a dit, bon, vous pouvez venir à midi si vous voulez, c'est ouvert aux personnes qui ne sont pas résidentes dans la maison de retraite. Donc, on est venu tous les midis à manger ici. Ce qui a permis de connaître le personnel, de les connaître par le prénom, de parler avec eux et tout ça. Et lentement, il y a une certaine amitié, une certaine influence qui s'est faite. Et je me suis dit, bon, c'est pas mal. Ils étaient gentils, ils étaient tout. Et je me suis, à ce moment-là, inscrit définitivement. Et j'ai fait mon dossier. Et un jour, ils m'ont dit, écoutez, il y a une chambre. C'est la tranquillité. Vous n'avez plus besoin de vous occuper de rien. Plus tu manges, plus tu peux du déjeuner, plus rien. Vous êtes libre.
Dans une certaine manière, quand vous allez dans une maison de retraite, vous perdez pas mal de choses, mais en contrepartie, vous avez une liberté que vous gagnez. Vous êtes libre. Vous n'avez plus besoin de penser à des choses superflues.